Aujourd'hui, nous allons voir un outil simple mais très puissant qui permet de se concentrer sur les vrais problèmes. C'est le diagramme de Pareto. Alors d'abord, un peu d'histoire puisque c'est à la fin du 19e siècle qu'un économiste italien du nom de Pareto a démontré à l'aide d'un graphique que 20% de la population possédait 80% des richesses. Il a ensuite remarqué que cette loi, qu'on appelle la loi 20-80, était vrai dans beaucoup d'autres domaines. C'est ça qui est vraiment incroyable avec cette loi, même si elle n'est pas toujours applicable, on la retrouve partout. Par exemple, vous pouvez vérifier si 20% de vos clients génèrent 80% de votre chiffre d'affaires, ou si 80% des arrêts machines sont générés par 20% des pannes, ou encore si 80% du temps, vous portez seulement 20% des vêtements qui sont dans votre armoire. De manière générale, on dit que 20% des causes génèrent 80% des effets. Donc attaquez en priorité ces 20% et votre problème sera quasiment résolu. Voyons maintenant comment faire un diagramme de Pareto avec Excel et Minitab. Donc le fichier Excel, vous le retrouvez sur le site uptraining.fr. Donc lorsque vous l'ouvrez, vous obtenez ceci. Donc les données sont enregistrées dans deux colonnes. La première, c'est le type de panne. Et la deuxième, c'est le temps d'arrêt machine qu'elles ont engendré. Donc la première étape, c'est d'additionner les temps d'arrêt par type de panne. Pour ça, on peut utiliser un graphique croisé dynamique. On sélectionne les deux colonnes. Et ensuite, on va dans insertion, graphique croisé dynamique. Et vous sélectionnez graphique et tableau croisé dynamique. Voilà, donc là, il vous demande où sont vos données. Ensuite, vous pouvez choisir soit de le mettre dans une nouvelle feuille, soit de le mettre dans la feuille existante. Moi, je préfère le mettre dans la feuille existante. Et vous validez par OK. Ce que l'on veut obtenir, c'est sur chaque ligne un type de panne. Donc, on dépose type de panne dans axe catégorie. On voit que le tableau se met à jour. Et en face de ce type de panne, on veut la somme des temps d'arrêt. Donc dans valeur, vous ajoutez temps d'arrêt machine. Alors par défaut, on voit que Excel compte le nombre d'occurrences, c'est-à-dire combien il y a de fois dans la liste capteur HS. Il y a 6 pannes capteur HS, 3 pannes cardan, etc. Nous, ce que l'on veut, c'est la somme des temps. Donc vous pouvez ici modifier paramètres des champs de valeur et vous sélectionnez somme, validé par OK. Voilà, ici on voit que ça a changé. Donc la panne capteur HS génère au total 3,9 minutes de temps d'arrêt. La panne cardan 2,7 minutes, etc., etc. Donc on trie le cumul du temps d'arrêt du plus grand au plus petit. Pour ça, vous sélectionnez la colonne, trier du plus grand au plus petit. On voit que la panne qui cause le plus d'arrêt, c'est le manque d'air, puisqu'elle génère 44,2 minutes de temps d'arrêt. Nous faisons maintenant ajouter une colonne avec le temps cumulé en pourcentage. Pour ça, on ajoute encore une fois temps d'arrêt machine dans valeur, puis comme tout à l'heure, paramètres des champs de valeur, on fait somme. Également, on va dans afficher les valeurs et on choisit dans la liste déroulante pourcentage cumulé dans. Et vous validez par OK. On peut éventuellement réduire le nombre de décimales pour que ce soit plus visible. Donc, sélectionnez la colonne, clic droit, format de cellule, pourcentage, 0 décimale et on valide par OK. Voilà. Dernière étape. Il faut ajouter un deuxième axe pour le pourcentage cumulé, car on voit ici sur le graphe qu'il est complètement écrasé. Donc pour ça, vous sélectionnez les données. Donc éventuellement, on peut zoomer un peu le graphique. Voilà, vous sélectionnez, clic droit, mettre en forme une série de données. Et dans le menu qui s'affiche ici, vous cliquez sur axe secondaire. Le problème, c'est qu'on ne fait plus la distinction entre les deux séries. Donc pour ça, il faut changer l'histogramme par une courbe pour que ce soit plus visible.
Donc vous faites clic droit, modifier le type de graphique série de données. Et ici, là, vous allez pouvoir choisir dans le menu déroulant courbe. Et on voit avec la prévisualisation que ça correspond à ce que l'on recherche. Et vous validez par OK. Vous pouvez fermer les menus déroulants. On dézoome. Et voilà, vous avez votre graphique Pareto. Sur l'axe horizontal, on retrouve les différents types de pannes. Et sur l'axe vertical, la somme des temps d'arrêt en minutes. Et à droite, le pourcentage cumulé. On voit que 75% des pannes sont dues à deux causes, qui sont le manque d'air et la température basse. La loi de Pareto s'applique ici, puisque 2 pannes sur 10, soit 20%, génèrent quasiment 80% des arrêts. Il faudra donc en priorité résoudre ces deux problèmes si vous voulez améliorer significativement votre productivité. Faire un diagramme de Pareto avec Excel, ça prend environ 5 minutes. Avec Minitab, c'est encore plus rapide. Voyons tout de suite comment faire. Donc, lorsque vous ouvrez le fichier Pareto Minitab, on retrouve les données sous la même forme. La première colonne, les types de pannes. La deuxième, les temps d'arrêt machine. La troisième colonne, on verra ensuite. Pour faire votre graphique Pareto, vous allez dans Stats, Quality Tool, Pareto Chart. Dans Defect or Attribute Data, il faut sélectionner ce que vous souhaitez avoir sur l'axe horizontal, c'est-à-dire les types de pannes. En dessous, dans Frequencies, c'est la fréquence d'apparition, c'est-à-dire les temps d'arrêt machine. En dessous, By Variable, j'en parlerai après. Vous avez aussi Combine Remaining Defect into One Category After This Percent. Ça sert à mettre tout ce qui est au-delà de 95% cumulé dans la même barre. C'est utile si vous avez énormément de types de défauts. Je vais vous montrer. Ici, on laisse la valeur par défaut qui est de 95% et on clique sur OK. Voilà, Minitab fait apparaître votre diagramme de Pareto. Même principe, ici, vous avez les types de pannes et sur l'axe vertical, les temps d'arrêt et la courbe pour les temps cumulés. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'affiche en dessous, ici, puisque vous avez le temps cumulé de chaque type de panne, en dessous le pourcentage qu'il représente et encore en dessous le pourcentage cumulé. On voit que Minitab n'a pas mis tous les types de pannes, car on ne retrouve pas pression haute, convoyeur et divers qui étaient pourtant présents sur le Pareto fait avec Excel. Et c'est normal, puisqu'on lui a dit que tout ce qui était au-dessus de 95% devait être rassemblé. Pour modifier ça, revenez à la boîte de dialogue du Pareto avec le raccourci CTRL-E et on modifie 95% par 99. Validé par OK. Et voilà, pression haute et convoyeur sont apparus. On peut aussi lui demander de tout afficher. Pour ça, on revient à la boîte de dialogue par CTRL-E et on coche Do not combine. Vous validez par OK. Et là, on voit qu'il a vraiment mis tous les types de pannes puisqu'on retrouve cardan, pression haute, convoyeur et divers. Avant de vous quitter, une dernière option intéressante que je souhaite vous montrer. Admettons que vous voulez comparer les pannes de deux machines différentes. Eh bien, Minitab est capable de tracer les deux diagrammes de Pareto en même temps. Revenez pour ça sur la feuille de données par le raccourci. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, il y a une troisième colonne machine qui dit s'il s'agit d'une panne sur la machine A ou d'une panne sur la machine B. Faites CTRL-E pour revenir à la boîte de dialogue et vous sélectionnez machine dans By Variable. Maintenant, Minitab vous propose plusieurs options ici. Avec la première, il va tracer deux graphiques de Pareto dans la même fenêtre, ce qui est très utile justement dans notre cas pour comparer les deux machines. Avec la deuxième et la troisième option, il va tracer chaque diagramme dans une fenêtre différente, soit en laissant
dans le même ordre les types de défauts ou alors en respectant les fréquences comme c'est normalement le cas avec la loi de Pareto. Donc nous, on garde l'option par défaut puisqu'on veut comparer les deux machines et on valide par OK. À gauche, pour la machine A, on constate que la panne manque d'air génère le plus d'arrêts, alors que pour la machine B, c'est la température basse. Dans ce cas, il y a du sens à travailler en priorité sur ces deux types de pannes car elles sont récurrentes sur les deux machines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà observé des lois 20-80 un peu originales ou si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.